Allô? Bonsoir à tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau direct des rendez-vous de Front Populaire et compagnie. Alors, ce soir, nous allons parler d'élevage. D'élevage, mais un élevage pas tout à fait comme les autres. Un élevage, je dirais, plutôt à taille humaine, déjà, avec des bêtes heureuses et des produits qui en sortent, qui sont commercialisés en circuit court, des produits 100% français, et ça marche. Alors, pour nous en parler, nous recevons Alban Cagnard, référent de laine pour Front Populaire et compagnie. Bonsoir Alban. Bonsoir madame.
Alors, on va parler de plusieurs choses. Déjà, j'aimerais que vous vous présentiez, vous, d'où venez-vous, quel est votre parcours jusqu'à ce que vous arriviez à l'aventure dont nous allons parler, c'est-à-dire l'aventure qui s'appelle Des hommes et des bœufs. C'est plus qu'une marque, c'est la marque des produits qui sortent de cette exploitation, mais c'est aussi un concept, c'est aussi une façon de voir les choses. Et d'ailleurs, dans le titre Des hommes et des bœufs, il y a beaucoup de choses qui dépeignent un petit peu la vision de ceux qui ont été les précurseurs en ce domaine. Alors, expliquez-nous un peu qui êtes-vous, qu'avez-vous fait, comment êtes-vous arrivé dans cette aventure? En fait, Des hommes et des bœufs, c'est une aventure collective. Moi, mes parents sont agriculteurs, mes grands-parents étaient agriculteurs entre Reims et Laon, dans l'Aisne, sur le début du chemin des Dames. Et lors de nos études à Lille, en ingénieur agricole, dans une école qui s'appelle l'ISA, j'ai rencontré Samuel et Andrea, qui faisaient également des études. Et on a eu un projet de créer une entreprise comme beaucoup d'élèves dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs. Et donc Samuel a ses parents ont une exploitation agricole aussi dans l'Aisne, qui est située entre Soissons et Château-Thierry. Donc ce sont des terres qui n'ont pas des très bonnes qualités agronomiques, c'est-à-dire que toute la plaine des céréales, blé, orge, colza, est faite plutôt vers Saint-Quentin, Laon, un peu plus au nord. Et les terres, vous avez des zones un peu humides, toute une zone d'irrigation. Et historiquement, c'est une zone où il y avait un petit peu d'élevage, de bœuf notamment. Donc Samuel et Andrea ont travaillé pendant 3 ans à Rungis, de 2010 à 2013, voilà, dans des entreprises d'import-export de viande, dans deux entreprises différentes. Donc c'est du congelé, des conteneurs. C'est des choses que le grand public ne connaît pas parce que vous avez des achats massifs et les produits sont vendus à des industriels qui font des plats préparés, qui font de la restauration collective, qui livrent des grandes surfaces. Donc, au cours de cette expérience à Rungis, Samuel et Andrea, qui ont ensuite créé l'entreprise des hommes et des bœufs en 2014, réfléchissaient pour essayer d'exister sur le marché de la viande, pour essayer de trouver quelque chose qui serait un peu différent des 150 000 éleveurs français dans toutes les régions qui travaillent très bien, qui font des très bons produits. Ils cherchaient un peu une forme d'originalité, d'authenticité qui leur permettrait de développer une entreprise. Donc ça a été assez long parce que, en fait, ce que Samuel et Andrea ont fait, c'est qu'ils sont allés interroger des bouchers dans Paris, des restaurants, des chefs, en disant ben, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous recherchez? Et ils ont commencé comme ça, petit à petit, à comprendre le marché, les attentes, les besoins, les prix, les produits, les contraintes logistiques. Et ils ont commencé à mouliner, à réfléchir. C'était autour d'un élevage de bœuf, de viande de bœuf. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et à ce moment-là, c'était vraiment le scandale des lasagnes de bœuf chez Findus avec l'affaire Spanghero. Oui. Et donc, Samuel et Andrea se sont dit, mais c'est pas possible d'avoir une industrialisation aussi poussée de la viande. Pourquoi est-ce que dans l'alimentation, dans ce qu'on mange, on a toujours des produits qui viennent de je ne sais pas où? Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Et donc, on a tendance à dire que pour faire une très bonne viande qui a du goût, qui a de la texture, qui est juteuse, qui est onctueuse, il y a seulement trois critères. Donc, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. Les trois critères, ils pèsent chacun 33%. C'est la génétique, donc ça va être la race de la vache que vous avez. Ça va être un tiers pour l'alimentation, qu'est-ce que vous donnez à manger à votre vache, et un tiers pour le bien-être animal. Donc, on était capable, nous, d'être dans l'excellence sur le bien-être animal, parce qu'on allait construire les bâtiments, on allait construire une ferme pour cet élevage. On reprenait pas quelque chose d'existant. Donc, vous avez moins de contraintes, si vous voulez. Bien sûr. Donc, la partie conduite des troupeaux, élevage, etc., ça a été un premier point qu'on maîtrisait. La deuxième partie, l'alimentation de la vache, on connaissait quand même bien. Qu'est-ce qu'une vache doit manger? La vache est un herbivore, la vache doit manger de l'herbe. C'est vraiment une donnée fondamentale. Et moi, j'invite tous les auditeurs
quand ils se promènent dans les campagnes et qu'ils vont voir des éleveurs, demandez-leur pourquoi il y a des silos de soja, de maïs, des produits qui donnent à manger à leurs vaches dans des concentrés, parce que la nature n'est pas faite comme ça. Donc sans Là, du coup, l'alimentation. je vous coupe, Alban. Alors, justement, pourquoi ils font ça? Ben parce que, en fait, c'est souvent des élevages qui sont dans des zones où il n'y a pas assez de pâture, où vous avez eu des partages de terres, et quand vous avez un troupeau avec 100 mères, donc 100 têtes, vous avez 300 animaux sur votre exploitation, en comptant les veaux, les génisses, les taureaux. Et souvent, les élevages n'ont pas des surfaces d'herbe et des surfaces de pâture suffisantes. Parce que les terres ont été mises en céréales, en blé, en orge, en colza. Et beaucoup d'exploitations aujourd'hui, en fait, ont trop d'animaux par Oui, rapport à c'est la ça. surface de prairie qu'ils ont. Donc, Donc, en fait, c'est. il faut bien se dire, j'ai tant d'animaux parce que j'ai tant de pâture. C'est bien ça. Ça, c'est le raisonnement qui est vraiment très logique, qui est de bon sens, le bon sens paysan. Et les éleveurs bovins ont imité les éleveurs de poulets, les éleveurs porcins, qui ont mis tous leurs animaux en bâtiment. Et qui se sont mis à nourrir les cochons avec. Il n'y a qu'un seul aliment. Tous les cochons en France, ils mangent le même aliment. C'est très simple. Les poulets, c'est pareil, ils font des bâtiments. Et les poulets, ils sortent pas parce qu'ils sont nourris avec des aliments. Et en fait, il y a malheureusement des éleveurs qui se sont fait piéger dans ce système-là avec des endettements, avec des contraintes financières. Et donc, ils n'ont plus d'autre choix que donner de l'aliment, du soja, du maïs. Et malheureusement, nous, on a voulu échapper à ça. Et donc, le troisième critère qui était important au moment où on a voulu construire le projet, c'était la race, quelle vache on allait vendre. Et il y a beaucoup de races en France, de charolaises, de limousines, de races normandes, de blondes d'Aquitaine, qu'on voit au salon de l'agriculture, qui ont des qualités, mais qui ont aussi des défauts. Et on a vraiment cherché longtemps ce point-là, c'était très difficile. Parce qu'on ne voulait pas se tromper, donc on a pris notre temps. On est allé faire des visites au Pays de Galles, on a visité des élevages en Écosse, en Irlande, en Angleterre. Et on s'est dit, mais mince, pourquoi les Anglais ont quasiment l'intégralité de leur cheptel en Angus, la race Black Angus? Et pourquoi est-ce que l'Angus, c'est la vache qui est la plus présente dans le monde? Il y a plus d'un milliard de têtes en Afrique du Sud, en Australie, en Argentine, dans tout l'Empire britannique, si vous voulez. Et on s'est dit, il doit y avoir une raison qui nous échappe. On avait hésité longuement avec la Simmental, qui est une vache à robe marron, beaucoup présente en Allemagne et en Alsace, qui est très gustative, très goûtue, très qualitative. Et Samuel, un jour, a dit, je vais démarrer l'élevage, j'achète 40 vaches Angus au Pays de Galles, donc qui ont une boucle anglaise. Moi, je crois dans l'Angus et c'est ça qui va marcher. Aujourd'hui, en 2021, on a réussi l'entreprise des hommes et des bœufs et l'élevage. Et si on avait eu de la charolaise ou de la normande ou de la limousine, je pense qu'on n'aurait pas réussi comme on a réussi. Parce que l'Angus, ça parle aux gens. Il y a un petit côté qui plaît, qui est séduisant. Je dirais pas marketing, mais en fait, si vous voulez, toutes les parties de la viande d'Angus, vous pouvez les griller sur une plancha. Vous prenez une basse côte. Qui est un morceau moins noble, assez gras. Alors les Français, eux, ils font bouillir, ils font mariner pendant des heures dans une cocotte minute. Nous, vous prenez une basse côte, vous la grillez à la plancha, comme les gens aiment bien faire dans un barbecue, et puis là, la viande est excellente. Donc nous, on a une viande, si vous voulez, qui est vraiment adaptée aux consommateurs et aux moyens de consommer et de manger la viande aujourd'hui. Parce que les façons de consommer la viande ont évolué en 50 ans. Et les éleveurs n'ont pas suivi ce mouvement-là, parce que quand vous avez un troupeau avec 300 charolais ou 300 limousines ou 300 blondes d'Aquitaine, vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain votre troupeau, les races. C'est très compliqué, si vous voulez, vous êtes dans une inertie. Et donc, c'est plus facile pour un éleveur de démarrer de zéro et de monter son projet sans avoir son troupeau, sans avoir son bâtiment. C'est un peu plus long, mais aujourd'hui, on a à peu près 80 éleveurs d'Angus français. Il y en avait 3 en 2014. On a créé avec tout un collectif, on participe à l'association des éleveurs d'Angus français. Et vous imaginez que ça ne plaît pas aux politiques, aux chambres d'agriculture, parce que c'est pas français. Voilà, l'Angus, c'est pas une race française. C'est pas quelque chose qui est du territoire, du terroir.
Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très satisfaits avec ça, simplement parce que ce n'est pas une race française. Donc, nous, on a quand même voulu se lancer dans l'Angus français parce qu'on y croyait. Et pour les connaisseurs de l'agriculture, l'Angus, c'est assez proche. Ça ressemble à la Salers en termes de taille de bête, de carcasse, de conformité, quelle est la taille de la cuisse par rapport à la poitrine, vous voyez. C'est une couche génétiquement, si on remonte à des centaines de milliers d'années, la Salers et l'Angus, c'était la même vache. C'est des vaches pas très grandes, c'est ça? Voilà, c'est des petites et vaches. Costauds, résistantes. C'est des petites vaches qui s'adaptent à tous les territoires, qui vivent dehors, qui sont jamais malades parce que c'est très rustique. En fait, nous, une vache, l'intérêt de l'Angus, c'est que c'est une race très précoce. C'est-à-dire qu'à 24 mois, au bout de 2 ans, vous avez sa taille définitive, sa taille adulte. Donc, à 24 mois, on peut vendre un bœuf ou une vache. Alors qu'une charolaise ou une limousine, c'est plutôt des cycles de 40, 46, 48 mois. Mais la charolaise, elle fait 800 kilos ou une tonne. Nous, l'Angus, il fait 400 kilos. Donc, vous voyez, quand vous avez une vache qui fait une tonne, elle va se faire une entorse, elle va se blesser au pied, elle va avoir un veau qui fait 80 kilos, donc on va devoir faire une césarienne. Enfin, dès que vous avez une très grosse vache, vous cumulez les problèmes. Si vous avez une petite vache de 400 kilos, le veau, il va naître, il va faire 40 kilos. L'Angus, en fait, pourquoi est-ce que historiquement, les Anglais ont toujours sélectionné cette bête-là? C'est parce que elle est dehors et elle valorise bien les fourrages. C'est-à-dire qu'une Angus, elle mange de l'herbe et elle fait du gras. Ce qui n'est pas le cas de toutes les vaches. Et donc, il y a un vrai intérêt agronomique, il y a un vrai intérêt technique à mettre en avant et à privilégier l'Angus, même si à l'origine, ce n'est pas une race française. Nous, on aurait adoré qu'il y ait une race française qui fasse 400 kilos à 24 mois, qui valorise des fourrages, qui soient jamais malades et qui vivent dehors. Effectivement, mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, vous dites qu'il y a un blocage de la part de certaines institutions et même de certains agriculteurs ou de la vision des gens en se disant « la race n'est pas française ». Mais est-ce que c'est bien important que la race soit française ou pas, du moment qu'elle naît en France, qu'elle vit en France, qu'elle vit bien en France, que c'est un produit qui est travaillé totalement en France? C'est ça qui compte, c'est quand même pas le fait que génétiquement, elle ait été créée ou qu'elle ait vu le jour en Angleterre. Enfin, oui, si vous voulez, c'est un milieu assez conservateur, le monde agricole. Et moi, si j'avais mon grand-père, mon arrière-grand-père qui avait un troupeau de charolais, ben, j'aimerais bien que mon enfant il continue le troupeau de charolais. Vous voyez, donc, nous, on comprend parfaitement que le monde agricole soit un peu réticent et soit un petit peu inquiet de ça. Et donc, on s'est mis à travailler, et pour faire nos preuves et pour montrer. Nous, l'objectif, c'était que le modèle économique soit rentable et qu'on puisse gagner de l'argent sans aller mendier à Bruxelles des subventions européennes, des primes PAC, ce qui malheureusement est le cas pour tous les agriculteurs français qui vendent leurs produits en dessous de leur prix de revient. Donc, si vous voulez, quand on a construit ce modèle-là avec Samuel, avec Andrea, on savait qu'on était en dehors du marché, on était en dehors des cotations, de ce qui existait, parce que ça n'existait pas. Et on y a cru parce qu'on a eu tellement de travail, de rencontres, de discussions, et on a vraiment vu comment les choses fonctionnaient. On s'est dit, mais l'attente des consommateurs, c'est ça. On va réussir à produire de la viande de qualité à un prix correct, parce que on a des éleveurs qui ont démarré un peu comme nous et qui ont démarré des races Wagyu, le bœuf de Kobe, qui ont importé des embryons de Wagyu pour des restaurants très haut de gamme, etc. Donc ça, effectivement, c'est très bien, mais c'est un marché de niche qui n'est pas un marché de tous les jours. Tous les jours, vous ne mangez pas de la viande de Wagyu ou de la viande de Kobe parce que les prix sont très élevés. Et donc, nous, on voulait être sur la bonne qualité, c'est-à-dire entre le très haut de gamme et entre le bas de gamme. Et en fait, il y a, si vous voulez, il y a une demande qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Parce que nous, aujourd'hui, on vend toute notre production. Moi, j'ai des restaurants qui m'appellent, j'ai des exportateurs qui m'appellent, j'ai des grossistes qui m'appellent. On n'a plus de viande à vendre, vous voyez. Alors Alban, avant de rentrer dans les produits, j'ai bien compris déjà, vous avez tous, l'aventure, c'est basé sur, on va voir déjà
ce qu'attend le consommateur, ce que souhaite, vous avez pris les choses à l'envers, vous avez fait une étude de marché en disant on va essayer de répondre à un besoin, à une envie, à une nécessité des gens, on va aller voir ce qu'ils aimeraient voir sur le marché. Vous avez décidé de faire des choses rustiques, avec des bêtes rustiques, pas françaises, mais enfin bon, qui mangent de l'herbe, qui sont… Alors, expliquez-nous justement, puisque cette aventure fonctionne, si on vient chez vous, on voit quoi? Comment vivent les animaux? Alors, je parle vraiment comme ça de base, donc c'est du bœuf, il y a des vaches qui donnent naissance à des veaux, je suppose. Comment vivent les vaches? Comment vivent les bœufs en liberté? Vous êtes combien sur l'exploitation? Il y a combien d'hectares? Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, si vous voulez, là, dans le processus de création de la ferme, il y a une deuxième chose qui nous a bouleversé, c'est que on a lu le livre d'André Voisin qui s'appelle La productivité de l'herbe, et cet agronome français qui a vécu au début du XXe siècle, qui a travaillé toute sa vie sur les systèmes d'herbage, fourrager pour nourrir, parce qu'il y a, il faut se souvenir qu'il y a 100 ans, 150 ans, toute la communauté scientifique se mobilisait pour éradiquer les maladies, pour produire du porc, de la volaille, du bœuf, parce que c'était compliqué, c'était un vrai enjeu. Donc aujourd'hui, c'est acquis. On a de la nourriture partout, mais il y a 100 ans ou 150 ans, vous n'aviez pas des supermarchés avec de la nourriture partout. Donc il faut se remettre dans le contexte historique. Et cet agronome qui s'appelle André Voisin vous explique que le métier d'éleveur, c'est de faire pousser de l'herbe. C'est… L'animal, c'est la conséquence de votre élevage. Et donc, un éleveur, il doit passer son temps à travailler son sol, à nourrir son sol et à faire en sorte que l'herbe qui soit produite soit la meilleure possible, parce que la vache va venir manger l'herbe à un certain moment. Et comme l'herbe est de très bonne qualité, elle est riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, ça va renforcer le système immunitaire de la vache, et la vache va avoir toute sa vie une solide santé, et on n'aura pas besoin d'apporter des médicaments, des virus, des vaccins, des antibiotiques, etc. Donc nous, on s'est concentré pour faire ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire que tous les jours vous déplacez vos vaches avec des systèmes de clôture mobile sur un hectare, et vous les déplacez tous les jours. Comme ça, l'herbe a le temps de repousser, elle n'est pas piétinée. Et en fait, plus vous faites des lots comme ça, où vous déplacez vos vaches, un peu comme un berger va déplacer ses moutons dans les montagnes, plus vous déplacez ces vaches, et plus l'herbe va pousser. C'est-à-dire que vous allez avoir une grosse quantité d'herbe. Et nous, aujourd'hui, on arrive à avoir 3 vaches pour un hectare d'herbe, parce que l'herbe qu'on a, elle produit 3 fois plus qu'une exploitation normale, parce qu'on s'occupe de l'herbe toute l'année. Et en moyenne, les éleveurs ont généralement 1 hectare de pâture pour une vache. C'est ce qu'on appelle l'UGB, le chargement, l'unité gros bovin. Quand vous avez 2 vaches pour 1 hectare, c'est pas mal, mais ça commence à être un peu compliqué. Et nous, si vous voulez, on arrive à faire beaucoup de vaches avec 1 hectare de pâture, parce que la vache va manger l'herbe à un moment précis et la productivité de l'herbe va être maximale. Donc, si vous arrivez sur notre ferme qui est entre Soissons et Château-Thierry dans l'Aisne, vous voyez d'abord un corps de ferme. On est au milieu d'un village avec 100 habitants. Donc, on n'est vraiment pas du tout isolé. La grande force de notre structure, c'est qu'on est à moins d'une heure de Paris. Donc, on a un marché, on a un bassin de consommateurs de 10 millions d'habitants avec du pouvoir d'achat. Si on faisait ça au fin fond de l'Auvergne, vers Aurillac ou dans un endroit, on aurait eu 1000 difficultés. Même si les terres sont très belles, que les pâtures sont sûrement très belles, la proximité du consommateur, l'accessibilité des clients, c'est un facteur décisif. Donc, si vous arrivez sur la ferme, vous allez voir trois ouvriers agricoles qui s'occupent de nourrir les animaux, de surveiller le cheptel, et puis de faire les 100 hectares de grande culture que les parents de Samuel ont sur la ferme. Vous allez voir 2 bâtiments de poulets. C'est des banques de 3000 poulets, parce que les parents de Samuel ont, depuis 30 ans, font des poulets. Donc nous, les vaches, elles croisent, elles sont aussi parfois au milieu des poulets, parce qu'un animal, il peut voir d'autres animaux. Bien sûr. Une vache, il n'est pas obligé de voir une vache. Et de avril à octobre,
Vous allez voir également 650 moutons qui sont vendus. Donc là, c'est Jean-Baptiste, le frère de Samuel, qui a mis cette activité en place depuis 2013. Et si vous voulez, ça permet d'utiliser des bâtiments quand ils sont vides de avril à octobre et de produire une autre viande, d'autres animaux en même temps que les vaches. Donc vous avez des vaches, vous avez beaucoup de vaches, vous avez des moutons et vous avez des poulets. Ça, c'est sur la ferme. Donc Samuel, il travaille avec son frère Jean-Baptiste, avec trois ouvriers, avec ses parents. Donc ça fait quand même... Ça fait quand même beaucoup de monde par rapport à les tailles d'exploitation. Généralement, il y a plutôt 2-3 salariés. Et le travail, si vous voulez, il est très chargé entre avril et octobre parce que vous devez déplacer les animaux, vous devez les surveiller. Donc, les animaux ont fait des lots de 40. Parce que quand vous avez plus de 40 animaux ensemble, il y a des problèmes de hiérarchie, de chef, de domination, etc., et les animaux ne se sentent plus en sécurité. Si vous avez 20 vaches ensemble, elles se sentent moyennement bien. Mmh. Elles vont vivre, elles vont... Mais il y a un petit stress parce que la vache, c'est grégaire, c'est en troupeau. Quand vous avez 40 vaches, c'est vraiment l'idéal. Et le travail de l'éleveur, c'est d'observer les comportements. Quelle vache est avec quelle vache? C'est comme dans une cour d'école, hein, je veux dire... Vous les connaissez tous? Vous les connaissez? Vous les reconnaissez? Allez, on les connaît parce que nous, là... le papa de Samuel avait à peu près 10 vaches salaires sur l'exploitation. Il faisait ça de manière... Mais nous, les vaches, l'objectif, c'est que tous les ans, elles fassent un veau et on va avoir des angus qui auront 14, 15, 16 ans. Donc, qui vont... Nous, la production, elle est centrée sur les vaches qui vont produire des veaux. Donc, les femelles, les veaux femelles, on les garde, on les fait grandir pour que ça nous fasse des nouvelles vaches. Et les mâles, ce sont les mâles qui sont gardés et nourris pendant 24 mois et qu'on va ensuite abattre pour vendre. Donc, nous, on vend vraiment du jeune bovin Angus 24 mois. Ça, c'est vraiment la production. Donc, en fait, les vaches, les femelles, elles sont là pour vivre et reproduire. Elles ne sont pas tuées. Elles sont juste, si vraiment on a un souci, une vache qui ne donne pas de veau, au bout de 2-3 ans, ce qu'on appelle, on la réforme, c'est-à-dire qu'on l'envoie à l'abattoir. Mais sinon, les vaches vivent toute leur vie. Et elles sont abattues en fin de vie. Mais effectivement, le système fait qu'on conserve les mères, qui sont très importantes, et vous avez des caractères plus ou moins dociles, plus ou moins vifs, etc. Mais les angus, comme elles sont assez petites, c'est très paisible, et elles s'approchent, enfin, elles sont domestiquées. C'est-à-dire que les vaches, nous, elles viennent, elles s'approchent, elles savent qu'elles vont être déplacées d'un parc à un autre, et elles savent qu'elles vont manger de la très bonne herbe. Donc, elle se précipite, si vous voulez. Comme quand vous allez donner à manger à votre chien, il remue la queue, il est content. Enfin, quand les vaches nous voient, elles savent qu'on va les déplacer et leur donner à manger. Donc, si vous voulez, nous, au fur et à mesure de la croissance, on a été louer des pâtures de plus en plus loin pour avoir une structure. Et donc, on passe beaucoup de temps aussi à déplacer les vaches avec des bétaillères. On met 7, 8, 9 vaches. On les déplace sur des pâtures qui ne nous appartiennent pas, qu'on loue. Parce qu'on a besoin, si vous voulez, de pâture. Et la deuxième chance qu'on avait, c'est qu'il y a les éleveurs qui arrêtent, qui ont des systèmes peu rentables. Et donc, on arrive facilement à trouver des pâtures, à louer des pâtures, parce que il y a pas beaucoup de gens qui se bousculent. Aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs diminue, le nombre d'éleveurs diminue, et vous avez pas beaucoup de gens qui se bousculent pour monter un élevage bovin aujourd'hui en France, malheureusement. Mais donc, on a un contexte qui nous est favorable et le département, le conservatoire des territoires nous aide aussi et on a un camp militaire à Sisson, c'est une base américaine qui est abandonnée près de Mourmelon où il y a un peu plus de 250 hectares et on met nos vaches dans cet endroit qui est à 20 km de la ferme et on a 250 hectares de prairies qui sont une ancienne base militaire et où les vaches sont dans des parcs, etc. Donc, si vous venez sur la ferme, vous ne voyez pas beaucoup de vaches, mais on possède beaucoup de vaches parce qu'on a démarré en 2014 et qu'on a augmenté notre cheptel, on a racheté des bêtes, etc. Donc, aujourd'hui, on gère un troupeau assez important, mais qui est dispatché dans différents endroits dans un rayon de 20 km. Et vous voyez des vaches toutes noires. Donc, ça détonne un peu avec les vaches qu'on a l'habitude de voir parce que
Parce que à part des vaches en buce toutes noires, il n'y a pas d'autres races. Il y a la Bazadaise qui est un peu grise, mais là, voilà, c'est des vaches toutes noires qui sont souvent le long des arbres, un peu protégées du vent, de la chaleur, qui sont en troupeau et qui font pas trop de bruit, qui sont parfois un peu immobiles. Donc, vous avez des vaches qui s'intègrent dans le paysage où les agriculteurs, de toute manière, nous, autour de chez nous, ils veulent faire du blé, de l'orge et du colza, hein. Donc vous avez des vaches et puis le fumier, comme on produit du fumier, ben on peut l'étaler, l'épandre pour apporter de l'azote, pour apporter de la matière organique à tous les agriculteurs qui sont autour de chez nous. La deuxième particularité de cet élevage, c'est qu'à côté de la ferme, on a une grande sucrerie à Bussy-le-Long. Et donc on produit des betteraves dans la filière des betteraves sucrières. Et on peut récupérer la pulpe de betterave. Donc, c'est-à-dire que la betterave, dans le processus, elle est broyée pour extraire le sucre. Ils arrivent à extraire un jus, ils enlèvent 40%. Et vous obtenez comme des dreshes de bière. Vous voyez, c'est de la matière finement hachée, broyée, qui a des bonnes qualités, qui apporte pour le transit de l'azote, etc. Et ben donc, nous, on va chercher nos pulpes de betterave surpressées à la sucrerie de Bussy-le-Long. Et on donne un peu en complément ces pulpes de betterave en finition aux jeunes bovins, parce que ça nous évite d'acheter des aliments, parce que c'est appétant, c'est-à-dire que le jeune. En fait, quand vous voyez une vache qui mange quelque chose, c'est que c'est bon pour elle. Sinon, elle ne le mangerait pas. On fait du tourteau de colza aussi, qui permet d'apporter certains oligo-éléments, certaines protéines. Et donc, on travaille comme ça notre recette d'alimentation. Parce que je reviens sur notre objectif, nous, on veut faire de la bonne viande. J'allais dire de la très bonne viande, mais il faut garder une certaine humilité, une certaine, voilà, il faut pas être trop prétentieux. Nous, notre objectif, c'est de faire une viande qui a du goût, qui est juteuse, qui est persillée, qui a de la texture, qui se tient avec de la mâche. Donc ça, c'est notre objectif. Et pour atteindre cet objectif, on fait le maximum. On travaille la génétique, on travaille l'alimentation, on travaille le bien-être animal. Elles sont dehors. Donc, de toutes les manières, elles sont contentes, à part si elles sont à côté d'un aéroport, d'une ligne de chemin de fer ou d'une autoroute, des vaches qui sont dehors, elles sont contentes. Nous, on a pas mal de forêts, de parcours boisés qui permettent de garder l'humidité dans le sol. Donc, vous avez des parcelles un peu morcelées et dans ces forêts, vous avez des oiseaux. Moi, les vaches, je vois qu'elles écoutent les oiseaux, elles regardent les oiseaux. Enfin, vous voyez que la vache, elle Oui, interagit avec son environnement, vous voyez? tout à Elle fait. interagit. C'est une vache qui a une vraie vie de vache qui est dehors et qui profite de sa, voilà, de tout. Donc elle est en bonne santé, jamais de vétérinaire ou pratiquement jamais. Non, non, déjà, vous n'avez plus de vétérinaire, ils ont tellement réduit les quotas, etc., que si vous appelez un vétérinaire, ça va vous coûter tellement cher que les vétérinaires, ils travaillent souvent pour les chiens, les chats en centre-ville, mais nous, le vétérinaire, il est déjà venu quelquefois pour des contrôles, pour des analyses, parce qu'en bovin, vous devez toujours surveiller que vous n'avez pas de cas de tuberculose, la tuberculose bovine, donc il y a des contrôles. Mais nous, on n'a pas besoin du vétérinaire. Et pour le vélage, ça se passe comment? Ben le vélage, ça se fait tout naturellement. Donc les veaux, si vous voulez, naissent toute l'année parce qu'on a. Vous avez deux possibilités. Soit vous achetez ce qu'on appelle des paillettes. Donc c'est du sperme de taureau congelé et vous calez vos vaches. Vous inséminez 60 vaches le même jour et 9 mois plus tard, vous avez en théorie 60 veaux. Donc nous, on n'a pas voulu faire ce système-là qui a des avantages, qui peut simplifier le travail de l'éleveur, qui peut. On n'est pas critique nous sur ce système-là. On n'a pas fait ce choix-là, mais on comprend qu'il y ait des éleveurs qui fassent ce choix-là et qui disent je veux avoir mes veaux le 1er avril, comme ça ils naissent, ils vont dehors, ils vont commencer à manger de l'herbe, ils sont en pâture. Et en novembre, je les rentre dans le bâtiment, ils ont déjà 6 mois, et puis ils vont pas attraper de diarrhée, ils vont pas être malades, etc. Ça, c'est du bon sens. Nous, on fait des veaux toute l'année. Donc, il y a 7 taureaux sur la ferme, et donc c'est une monte naturelle et qui marche aussi bien que l'insémination. Je veux dire, Bien sûr. y a pas de raison. Et donc on produit des veaux toute l'année parce qu'on est en capacité de les gérer et qu'on sait que nos veaux vont être en bonne santé. Et qui vont résister s'il naît un peu avant l'hiver
ben, il va traverser l'hiver. S'il naît au printemps, c'est très bien. Et c'est bien quand les veaux naissent au printemps, c'est sûr. Mais nous, on a des veaux toute l'année, ce qui fait que quelqu'un qui vient, il voit que la ferme est vivante et que ce n'est pas... On refuse un peu l'industrialisation, nous. On n'est pas à l'aise avec ça, mais... peut-être que dans 3 ans ou 5 ans, pour je ne sais quelle raison, on fera de l'insémination avec des paillettes et qu'on fera ça. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, vous avez des veaux qui naissent. Et la seule obligation, c'est de surveiller et d'aller mettre la boucle. C'est-à-dire que vous pucez l'animal. L'animal est créé, il existe. Et il est avec sa mère et il tète le lait. Et les Angus ont des très bonnes qualités maternelles. C'est-à-dire qu'elles s'occupent du veau. C'est-à-dire que le lait est très nourrissant et vous avez une croissance très rapide. Le veau Angus va vite grandir par rapport à des veaux d'autres races aussi. C'est ce qui nous a fait faire ce choix-là. Mais justement, moi, quand je parlais de veillage, je pensais aux vétérinaires, parce que chaque fois qu'on voit des reportages sur les fermes, on voit que l'accouchement d'une vache, c'est monstrueux, il faut tout de suite un vétérinaire, sinon il y a un des deux qui va mourir. Vous, elles accouchent toutes seules. Enfin, elles accouchent toutes seules. Le veau naît toujours à la tombée de la nuit, entre 10h et 2h du matin. Et on a eu peut-être un veau par an mort sur l'ensemble des veillages, donc ce qui est très très peu. Malheureusement, les veaux qui sont obligés de faire des césariennes, c'est parce que les vaches ont une trop grosse carcasse et ce sont des trop grosses vaches. Donc, elles n'ont plus la force d'expulsion, la concentration des muscles, et elles ont des veaux qui sont trop gros. Donc, ça, c'est un autre problème. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et ce qui fait aussi que les agriculteurs, ils perdent de l'argent parce qu'ils cumulent des antibiotiques, des vaccins. À un moment donné, quand vous dépensez de l'argent, c'est compliqué. Donc, les veaux naissent, il n'y a absolument aucun. On n'a jamais eu aucun problème ou inquiétude là-dessus. Les veaux naissent naturellement, comme pour des chiens ou des chats, il n'y a aucun souci. Alors, je voulais qu'on vienne maintenant aux produits, parce que j'ai bien compris, effectivement, que vous avez l'envie et vous faites. Un élevage, déjà, ce qui m'intéresse énormément, c'est que vous dites bien, enfin, moi je trouve que c'est tellement beau d'entendre quelque chose de bon sens, c'est-à-dire un éleveur, c'est quelqu'un déjà qui travaille sa terre et qui produit de l'herbe. Voilà. Oui. C'est pas la vache avant l'herbe, c'est l'herbe déjà à la base. Mais après, bon, vous faites des produits, vous utilisez, vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous vendez, à qui vous le vendez. Je ferai un petit focus sur le saucisson de bœuf et tout ce qui est charcuterie de bœuf, mais le saucisson de bœuf, que certaines personnes, que lorsqu'on a annoncé le direct, se disaient pourquoi saucisson de bœuf, alors pourquoi on nous vend tout le temps du saucisson de porc, quelle est la différence, comment on le traite, etc. Parlez-nous un petit peu des produits, ce que vous proposez et votre manière de travailler toute la bête. Oui, alors voilà, nous on a eu une approche métier, c'est-à-dire que notre associé Samuel, il s'occupe de l'élevage avec ses parents, ses frères et sœurs, son frère et ses ouvriers. Et Samuel est l'éleveur. Et la Société des Hommes et des Bœufs, c'est la société qui valorise, c'est-à-dire qui vend la production de cette ferme-là. Et donc, nous, on a voulu faire deux métiers. On a voulu s'occuper des clients professionnels, que ce soit les boucheries, les restaurants, les fromageries, les épiceries, les caves à vin, tous les professionnels, et faire l'élevage. Et donc, au milieu, vous avez la partie transformation. Donc, vous avez d'abord l'abattoir. Les bêtes sont abattues dans un atelier agréé aux normes CE. Vous ne pouvez pas faire l'abattage chez vous à la ferme, ça, c'est interdit. Mmh. Ensuite, vous avez la partie découpe. Donc, ce sont des ateliers qui vont découper. Ils vont faire ce qu'on leur demande, une demi-carcasse, deux aloyaux, un ART, un déhanché. Voilà, donc c'est… nous, si vous voulez, on pilote ces ateliers en leur demandant des prestations. Donc, on est client chez eux et ils travaillent nos carcasses en disant on sait que pour ce client-là, on a besoin de ça, 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 et ils font. Et ensuite, on a la transformation de la viande, c'est-à-dire que historiquement, le saucisson, ça a été inventé, ça a été fait pour conserver la viande. Quand ils tuaient le cochon dans la ferme, évidemment qu'ils ne mangeaient pas 250 kilos de viande en 2 jours. Et donc, la technique de salaison, c'est-à-dire que vous apportez du sel et vous séchez le produit dans le but de le conserver 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, comme un processus un peu de fromage, de fermentation. Donc nous, quand on a fait l'entreprise des hommes et des bœufs, on voulait exister sur le marché de la viande.
Mais le marché de la viande, ce sont des sociétés qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont des structures énormes. Enfin, c'est des très gros acteurs. Vous n'avez pas de petits acteurs. Enfin, et donc, on s'est dit, comment on va exister sur le marché de la viande où il faut une logistique, des camions frigorifiques, enfin, c'est très, très compliqué. Et donc, on s'est dit, on va faire que sur la ferme, la vache qui va, ou le jeune bovin qui est vendu, il aura le maximum de valeur. Et D'accord. en 2013 ou 2014, au moment de monter des hommes et des bœufs, on lit un peu la presse économique, on lit l'actualité, et on voyait que la première entreprise au monde à l'époque, c'était Apple. Et on s'est dit, bah tiens, Apple, c'est marrant, c'est pas eux qui fabriquent leur téléphone. Apple, ils font faire leur téléphone chez des prestataires, dans des ateliers en Chine ou partout dans le monde. Et eux, ils font la conception, ils créent l'histoire, ils vendent une marque, etc. Et on s'est dit, bah, nous, on va passer notre temps à faire du commerce et à expliquer notre ferme, et on va faire les saucissons, les rillettes, la viande séchée. Et donc, on a sous-traité la transformation, mais dans la ferme, on aurait pu construire un bâtiment, acheter du matériel pour des séchoirs. Non. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait possible. Il y a des éleveurs qui le font, qui se disent, bah, je vais acheter un autoclave, je vais acheter des grilles, un cuiseur, un hachoir, un poussoir, et puis on y va et on fait ça. Mais nous, on s'est dit, on fait une viande de très grande qualité. Si demain, moi, je me mets à produire du saucisson dans ma ferme, je vais gâcher le produit. C'est-à-dire que je vais pas apporter un savoir-faire. Je vais faire un saucisson, mais il sera peut-être pas si bon que ça parce que j'ai pas le savoir-faire. Donc, on s'est dit, on va aller trouver des artisans dans des endroits où ils font du saucisson depuis 100 ans. C'est pareil avec les rillettes. Les rillettes, elles sont faites au Mans, dans une petite entreprise de 25 personnes qui font depuis 100 ans des rillettes. Donc, si ces gens-là font depuis 100 ans des rillettes, Ils ils se savent faire trouvent les mille rires. fois meilleurs que moi qui vais aller faire ces rillettes-là et puis j'aurai plus de temps pour aller voir des clients, faire du commerce, aller m'occuper de l'activité. Donc, je me suis dit, faisons des recettes, définissons un cahier des charges, définissons des choses pour faire un superbe produit de bœuf, parce que nous, on refuse de mettre du gras de porc dans nos produits. Faisons un saucisson, faisons une rillette, faisons une viande séchée qui va être une super qualité. Et donc, au fur et à mesure, aujourd'hui, on a 6 prestataires qui travaillent pour nous. On leur envoie toutes les semaines de la viande et ils fabriquent des produits à notre marque des hommes et des bœufs. Et nous, on les distribue, on les vend. Et ce choix-là, il a été décisif dans l'entreprise parce qu'on a des produits qui sont excellents. Et si vous voulez, la viande de bœuf, quand elle est brute, une matière première qui est brute, elle n'a pas beaucoup de valeur. Un cultivateur qui va faire des pommes de terre, il va vendre ses pommes de terre 230 euros la tonne. Il va vendre une pomme de terre 23 centimes du kilo. Parce que la matière première, bah, il faut l'éplucher, il faut la laver, il faut la couper, il faut faire des frites, il faut faire des chips, etc. Un agriculteur qui fait une cuisson, qui installe un petit atelier pour faire des chips, il va vendre ses chips 10 euros du kilo. Il va vendre la matière première, elle va passer de 23 centimes du kilo à 10 euros du kilo. Vous vous rendez compte que pour que l'agriculteur puisse avoir des revenus et qu'il puisse vivre, il ne peut pas vendre sa matière première. Quand vous allez en Italie, dans chaque ferme, les types, ils font leur jus de tomate, ils font leur huile d'olive, ils font leur petit fromage. Enfin, chaque agriculteur en Italie, ils ont leur petite production, leur savoir-faire artisanal, etc. Et il y a des types qui passent, quelques touristes, et puis ils vendent, et puis ils vivent. Ils Ouais. vivent. Nous, nos agriculteurs français, ils vivent pas parce qu'ils se disent, ben, faut que je fasse du volume, je vais construire un deuxième bâtiment, je vais refaire des dalles béton, je vais reconstruire un deuxième silo, etc. Et puis je vais vendre toutes mes vaches à l'abattoir. Mais non, vendez vos vaches à des gens, des restaurants, à des gens autour de chez vous et occupez-vous de la commercialisation, quitte à faire des transformations, quitte à valoriser les produits. Mais nous, si vous voulez, une vache, un jeune bovin, en moyenne, ça va valoir 2000 euros. Vous avez 400 kilos, ça va valoir 2000 euros quand ça sort de la ferme. Nous, quand ça sort de la ferme, ça vaut 6000 euros. Ça vaut 3 fois plus. Parce que vous avez du saucisson, vous avez de la viande séchée, parce que vous avez des rillettes, parce que vous avez des... Voilà, on valorise, si vous voulez, la totalité de la bête parce qu'on veut... Cette matière première est noble, cette matière première est de grande qualité et on veut qu'elle soit consommée
pas dans des boulettes de pâte à pizza ou de je ne sais quoi, de lasagne. Ou aujourd'hui, la viande bovine, 90% part dans le marché, ce qu'on appelle du haché, c'est-à-dire de la viande cuite, ultra-cuite, recuite. Donc là, vous n'avez pas de problème de bactériaux, vous pouvez garder les produits, mais ça n'a plus de goût, ça n'a plus de saveur. Et donc, nous, on refuse que les industriels travaillent notre viande parce que ça enlève toute la noblesse du métier de l'éleveur. Quand vous ne savez pas où est-ce que votre viande est vendue, à qui est-ce qui la mange, nous, toutes les semaines, on reçoit des messages de consommateurs qui trouvent sur Internet la carte des restaurants, c'est marqué élevage d'Angus, dans l'Aisne, des hommes et des bœufs, Picardie. Enfin, la marque est un petit peu connue et toutes les semaines, on reçoit, oh, j'ai mangé une bavette, j'ai mangé un onglet à tel endroit, c'était fabuleux, etc. Et ça vous donne vachement de joie et de réjouissance. On est super content d'avoir un type qui travaille à Toulouse, qui travaille à Annecy, qui vit à Marseille, qui dit, bah, j'ai mangé votre bavette, ça faisait des années que je mangeais, jamais mangé une bavette aussi bonne. Et c'est hyper valorisant et on se dit, bah, on a fait les bons choix. Quand vous avez des messages comme ça, c'est hyper encourageant. Et la charcuterie de bœuf, si vous voulez, ça n'existait pas. On a vraiment créé le marché. Aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs, il y a très peu de personnes qui font de la charcuterie de bœuf parce que c'est très difficile à faire. Il faut beaucoup travailler. Enfin, ça se fait pas en quelques mois, quoi, hein. Oui, c'est ce que vous me disiez lorsqu'on s'était parlé au téléphone. Autant le saucisson de porc, ça a des centaines d'années, les gens savent le faire. Voilà, les appareils sont là, il n'y a pas de problème. Autant le saucisson, bon, le saucisson, il y a d'autres charcuteries, mais le saucisson de bœuf, c'est quelque chose qu'on travaille quand on sait vraiment le faire et qui est un peu plus compliqué à faire. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, quand vous faites des marchés dans le sud, vous avez des revendeurs, c'est marqué saucisson de bœuf. Alors, vous lisez l'étiquette de composition en disant, bah, qu'est-ce qu'il y a dans saucisson de bœuf? Puis, il y a 50% de gras de porc et 50% de viande de bœuf. Et puis, le boyau, c'est un boyau de porc. Donc, l'image du saucisson de bœuf, ça avait une mauvaise image. Et nous, on a voulu revaloriser le saucisson, l'image du saucisson. Tout simplement en mettant une très bonne matière première dedans. C'est aussi bête que ça. C'est que les saucissons en charcuterie industrielle, il n'y a que quelques acteurs, ben, ils mettent dans le saucisson tout le gras, les chutes, les oreilles, la truffe, ils hachent, ils broient tout, et puis ils mettent la moins bonne matière. La longe, l'échine, tous les morceaux du porc, ils sont vendus en piécé, ce qu'on appelle en piécé, mais tout le reste, c'est quand même pas très appétissant. Donc à la fin, le produit, il est très gras, il est très salé, et il n'est pas très bon. Aujourd'hui, manger un saucisson de porc, déjà c'est cancérigène, c'est classé cancérigène par l'OMS. Vous avez la problématique des sels nitrités, où là les types, ils ont quand même du mal. Les lobbies de la charcuterie, etc., ils ont un petit peu de mal à faire que les gens ne sont pas au courant, puisqu'il y a des enquêtes indépendantes. Vous avez des journalistes qui font un boulot formidable et qui disent, bah, cancer du côlon, cancer colorectal. Lié avec la charcuterie de bœuf et donc avec la charcuterie de porc, pardon. Et donc le marché, il baisse en valeur, il baisse en volume tous les ans. Parce que moi, j'ai jamais vu de gens qui prenaient plaisir à manger un produit de saucisson de porc super gras. C'est pas très bon, on n'a pas envie. Et donc, Andrea, la semaine dernière, elle était à Paris dans un restaurant un peu étoilé, un peu gastronomique, qui est dans le 8e, qui s'appelle L'Arôme. Et le chef voit Andrea parce qu'il dit, moi, je voudrais acheter de la viande. Et Andrea lui dit, très bien. On peut regarder, est-ce que vous voulez pas du saucisson de bœuf? Et le chef, le restaurateur, non, saucisson de bœuf, c'est pas bon, j'ai pas envie, et ça. Et Andrea lui dit, bah, attendez, j'ai des échantillons là, je vais en couper, vous allez le goûter. Il était avec toute son équipe, il y avait 10 personnes. Et là, ils n'en sont pas revenus, ils se sont dit, mais c'est incroyable, c'est un saucisson, c'est tendre, c'est goûtu, c'est pas gras, on a envie d'en remanger. Enfin, et donc, l'a priori, le chef disait, bah non, du saucisson de bœuf, ça va pas être bon. Et il a goûté. Et à la fin, il a même oublié de parler de la viande, des carrés de côte qu'il voulait, etc. Parce que comme on a une gamme avec plein de saucissons de bœuf, il est reparti du rendez-vous avec les rillettes, la viande séchée, en disant, ah ben je pourrais faire une petite planche d'apéro en entrée, en starter, sur la charcuterie de bœuf d'Angus. On est à 1 heure de Paris, c'est local. Et donc, si vous voulez, nous, le critère, on prend un produit, on le coupe, on le fait goûter, et puis là, on commence à expliquer, à discuter. Dès que les gens goûtent, ils disent, mais le produit est fabuleux, le produit est fantastique parce que c'est pas gras. En fait, personne n'apprécie de manger des produits gras et donc nous, dans le cahier des charges,
On enlève le capa, on enlève le flanché. Il y a des morceaux qu'on met de la bonne viande dans le saucisson pour que le saucisson, il ait une image, pas de luxe, mais une image en disant c'est un produit plaisir, c'est une manière de consommer de la viande où nous, on ne veut pas que les gens ils mangent tous les jours 400 grammes de viande parce que pour la planète, ce n'est pas soutenable et on veut que On n'a les pas gens, besoin. voilà, les gens mangent de la viande, mais en petite quantité, de la bonne viande. Voilà, nous, c'est vraiment le discours qu'on tient. Aujourd'hui, on vend notre belle production, mais l'objectif, c'est que les gens mangent de la viande ponctuellement pour se faire plaisir avec du bon fromage, du bon vin, mais que ce n'est pas un produit de tous les jours. Moi, je le dis constamment et nos clients sont sur la même ligne. Les épiceries fines, les caves à vin, les fromageries, voilà, les professionnels aujourd'hui disent il y a d'autres choses à manger que de la viande bovine. Mais la viande bovine, ça doit être de qualité. Et pour faire de la qualité, il faut vraiment faire une ferme sur mesure. Vous n'avez pas le choix, en fait. Alors, j'ai envie de vous demander, ce modèle-là que vous avez mis en place, donc avec des animaux heureux, avec une race qui ne fait pas de gras et qui est en bonne santé, qui ne nécessite pas des soins énormes, une vision des choses avec un produit de qualité, en essayant, si j'ai bien compris, et c'est le but, au lieu d'envoyer comme font les autres, sans les dénigrer, hein, leurs bêtes entières à l'abattoir. On prend une partie, le reste, ça part dans du haché qui va dans des plats préparés. Ils savent pas, mais ils envoient directement leur bête à l'abattoir sans savoir ce qui va advenir de l'avant et de. C'est ça, hein? C'est Ouais, c'est l'avant ça, oui, et tout à fait. voilà. Et l'arrière, là, vous contrôlez un peu tout et tout est utilisé, donc c'est plus rentable en plus. Alors pourquoi, j'ai bien compris que lorsqu'on a on hérite ou on est sur un terrain agricole qui vient de la famille, etc., c'est difficile de dire, tiens, je vais changer mon modèle de production. Mais pourquoi il n'y a pas plus d'élevages qui vont dans votre sens? C'est-à-dire se dire, je vais faire. En fonction d'un bien-être animal qui va donner un bon produit, qui va être un produit de qualité, donc relativement vendu assez cher pour que je m'en sorte et que je puisse ne pas être dépendant des aides, mais que je puisse travailler de mon élevage. Pourquoi il n'y a pas, ça ne prend pas? Mais, si vous voulez, la force de Samuel, qui est l'éleveur, Samuel, il est venu voir Andrea en lui disant, écoute, viens m'aider, montons ensemble quelque chose. Et ils se connaissaient de l'école, mais ce n'étaient pas des amis proches, ce n'étaient pas des gens qui se connaissaient beaucoup. Mais Samuel, il a eu l'humilité de dire, voilà, j'ai envie de faire l'élevage, de me concentrer sur de la super viande, mais je sais que je ne pourrais pas faire tout le commerce, que je ne pourrais pas suivre les fabrications, les transformations, que je ne pourrais pas m'occuper de tout ce temps très chronophage de comptabilité, de facturation. Nous, par exemple, sur des hommes et des bœufs, aujourd'hui, on fait 1 million de chiffre d'affaires. On va vendre 20% de notre produit à l'export au Danemark, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. On vend de la viande à Hong Kong également. Enfin, je veux dire, vous avez le téléphone qui toute la journée sonne. Si vous êtes agriculteur, vous n'avez pas le temps de Bien faire du sûr. commerce, d'aller, etc. Donc Samuel, il s'est dit, voilà, on partage, on mélange choses les communs, on met en commun toutes ces choses-là, on partage les bénéfices, on crée une société ensemble. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui aiment bien travailler tout seul, qui aiment bien travailler sans s'associer à des gens qu'ils connaissent pas forcément. Donc c'est un modèle d'entreprise. Bien Nous, sûr. c'est une entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des salariés. Et on est sur la ferme parce que c'est le showroom, entre guillemets, c'est vraiment la vitrine qu'on met en avant, mais on fait également 20% de nos ventes sur Internet. Donc un agriculteur qui a 50, 60 ans, Oui, comment bien il va sûr. aller se référencer sur des sites Internet, gérer une logistique avec des expéditions de colis, avec des choses, vous voyez, c'est hyper compliqué. On a fait des opérations avec l'école Ferrandi, qui est l'école à Paris de référence qui forme tous les chefs, où on a un ami chef qui est professeur à l'école Ferrandi qui est venu sur la ferme, qui a cuisiné des morceaux avec nos clients. C'est visible sur le site internet avec la petite vidéo. Enfin, vous voyez, l'agriculteur, le jour où il se dit, bon, il faut que j'aille trouver des ressources à l'extérieur, que je m'associe avec une personne qui va s'occuper du commerce et on va mettre en commun et on va partager les bénéfices, ben, il faut des gens jeunes, vous voyez, qui suivent les tendances, l'évolution. Quelqu'un qui est là depuis 20, 30 ans, c'est compliqué parce que le marché, il évolue, il y a des mutations. Moi, je remets des offres de prix sur des pays. Il faut que je regarde les codes douaniers. Il faut que je me renseigne sur les transitaires. Enfin,
vous avez un boulot de fou. Et après, ça fait boule de neige. C'est-à-dire que nous, les gens parlent de nous, on nous appelle, on est recommandé. Ah, ben, on livre des food trucks sur la Côte d'Azur, des gens qui font des burgers. Et ils disent, mais moi, c'est simple, votre steak haché, il est plus cher, mais il est bon. Et les clients reviennent et ils veulent acheter mes burgers dans ce food truck par rapport à tous les autres food trucks parce que la viande est très, très bonne. Et donc, si vous voulez, l'éleveur, nous, sur notre site internet, parfois, on nous pose la question en disant, mais c'est curieux, vous avez de l'Angus bio, vous avez du Wagyu, etc. Alors, on valorise la production de quelques fermes, de 4 fermes qui font de l'Angus bio. On leur achète les avants, donc le paleron, l'épaule, le collier. Donc, c'est des fermes qui sont dans l'Est, en Bretagne et dans l'Ouest. Et donc, on achète à ces éleveurs qu'on a rencontrés, chez qui on a fait plusieurs visites, on leur achète la viande d'Angus bio et on la transforme en rillettes, en saucissons, mais ce n'est pas notre élevage. Donc, on a une gamme qui est bio, qui est vendue dans notre réseau. On a également de la charcuterie de Wagyu, c'est-à-dire des saucissons, des rillettes, de la viande séchée. Donc, c'est des éleveurs à qui on achète ces morceaux-là qui ont du mal à valoriser, donc ils sont très contents. Et on fait aussi des prestations pour des éleveurs. On leur fabrique des saucissons dans notre réseau et on leur livre avec leur marque, etc. Donc, l'éleveur en Normandie, il va vendre des saucissons de bœuf et ce n'est pas marqué des hommes et des bœufs. C'est nous qui avons fait l'ordre de fabrication, on fait une prestation, mais on donne des petits coups de main comme ça à des éleveurs parce que nous, plus il y aura de saucissons de bœuf, de charcuterie, plus ça va se développer, plus les gens vont connaître et mieux ça va marcher. Donc, nous, on a bien envie sûr de développer que tout le monde… Plus ils mangeront de bons produits, plus ils seront exigeants, donc plus ça développera ce genre. J'ai une question de votre porte-parole au Hauts-de-France. Combien de vaches Angus en France, d'éleveurs de vaches Angus en France? Alors, aujourd'hui, il y a à peu près, on va dire vraiment, une grosse quarantaine d'éleveurs d'Angus, c'est-à-dire qu'ils ont un troupeau qui est constitué que d'Angus. Et après, vous avez peut-être une centaine d'éleveurs qui vont avoir… 20, 30 vaches Angus et puis 100 limousines ou 100 blondes d'Aquitaine. Parce qu'ils montent un petit atelier, ils regardent comment ça se passe, comment ils vendent et après ils vont transformer. Donc on est la goutte d'eau, si vous voulez, dans l'élevage français. Et donc c'est pour ça que l'association des éleveurs d'Angus français, ils sont en train d'essayer de créer un cahier génétique, c'est-à-dire de tracer toute l'historique des Angus en France, pour qu'on puisse demain faire reconnaître au ministère de la Culture que l'Angus est élevé en France et que ça existe. Parce qu'aujourd'hui, je dirais pas que c'est sous le manteau, mais la majorité de l'Angus qui est consommé dans des restaurants, ça vient en congelé des États-Unis, d'Irlande. Tout l'Angus qui est mangé quasiment en France, c'est de l'Angus qui vient de l'étranger, c'est pas de l'Angus français. Aujourd'hui, il y a très, très peu d'offres, mais il y a beaucoup de demandes. Donc, les éleveurs qui se font influencer par leur chambre d'agriculture, leur conseil technique, en pensant bien faire, qui leur disent « bah oui, fais de la limousine, c'est génial, ça va marcher, etc. Bah, » ils ne se sont pas posé la question de dire « bah tiens, pourquoi je ne ferais pas de l'Angus ?» Mais parce que nous personne ne les encourage, personne ne les aide à faire ça. Donc, tous les éleveurs d'Angus qui veulent se lancer, à mon avis, ils réussiront mieux s'ils ont une ferme adaptée avec des prairies et qu'ils arrivent à faire du commerce. Parce qu'un éleveur qui ne fait pas de commerce ou qui ne s'associe pas, c'est très compliqué. Pour tous les éleveurs, c'est compliqué si vous ne faites pas du commerce. Alors, il nous reste 5 minutes. Donc, effectivement, ce que j'ai compris, c'est que vous comprenez très bien que des éleveurs qui travaillent seuls et qui ont l'habitude sur leur exploitation de travailler seuls ne puissent pas développer un concept comme le vôtre et travailler comme vous. Vous pensez que c'est plutôt une nouvelle génération, justement, de gens qui se diraient, voilà, je vais acquérir des pâturages et je vais travailler de telle manière. Vous voyez peut-être ça dans une deuxième génération. Oui, c'est ça. Des gens qui prennent des risques, un peu innovants. Et moi, j'ai tendance à dire qu'ils veulent se simplifier la vie, qu'ils veulent avoir moins de contraintes. Et donc, la filière bio qui est mise en place par le groupement Unébio. C'est une coopérative, elle a lancé il y a à peu près 6 ans de l'Angus bio français. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver cette viande-là qui est vendue en piécée sous vide dans les monoprix. Moi, j'étais l'autre jour dans le monoprix de Rambouillet, j'ai vu l'Angus bio français. Donc, c'est vraiment des produits de très grande qualité.
Ils ont acheté leurs vaches en Allemagne et en République tchèque, Pologne, quand ils ont démarré. Mais aujourd'hui, l'éleveur qui se lance, il faut qu'il prenne une calculette, qu'il calcule son chiffre d'affaires, ses recettes, ses dépenses, et qu'il regarde si c'est rentable. Parce que moi, j'ai jamais vu un conseil technique me prouver mathématiquement que c'est rentable de faire du charolais ou de la limousine ou de la blonde d'Aquitaine. Parce qu'en bas à droite, vous avez une ligne subvention aide européenne, et là, il y a un très gros montant. Et puis quand on dit, ben oui, mais dans 2 ans, s'il n'y a plus la subvention, là, ou qu'elle diminue de moitié, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, vous perdez de l'argent. Donc, vous nourrissez des gens, et en plus, vous perdez de l'argent. C'est Ben vraiment indigne. oui. C'est-à-dire que c'est honteux que le marché, il soit sur des cotations mondiales, et on fixe, on dit, ben voilà, le minerai de bœuf, parce qu'ils appellent le minerai de bœuf, c'est la viande, la masse indistincte. Donc, c'est des vaches d'un peu partout, ils agglomèrent tout ça, ça fait une grosse palette, une grosse poche. Et le minerai de bœuf, ils vont dire aujourd'hui, bah, il vaut 4,20 €. Mais qui a dit que ça valait 4,20 € si ça vaut 5,50 €? Parce que vous payez la MSA, parce que vous payez votre assurance, parce que vous payez vos taxes, vos impôts, parce que vous payez vos fermages. Donc, les éleveurs qui sont plus jeunes, ils sont un peu plus malins. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, bah, moi, je vais travailler combien d'heures par semaine là, dans votre... je vais dépenser combien pour mon bâtiment, pour mon tracteur, pour l'alimentation, pour les soins. Et puis, quand vous faites le calcul, quand vous faites, moi je dis aux éleveurs, allez, prenez votre voiture, vous allez dans Paris, vous marchez dans le 8e rue Marbeuf, il y a des restaurants. Et puis quand vous verrez un restaurant à la carte où c'est marqué Côte de Bœuf Charolaise ou pavé de blonde d'Aquitaine, ou ben là vous m'appelez, puis là je viendrai. Parce que sur ces restaurants-là, c'est marqué que c'est de la viande d'Angus, que c'est de la viande de Wagyu, que c'est de la Air Force, que c'est éventuellement de la Salers. Enfin, il faut voir. Qu'est-ce que les gens veulent manger? Est-ce que les gens vont accourir pour faire des côtes de bœuf de Charolais ou de blonde d'Aquitaine? Et en fait, c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce que ces races, elles ont été sélectionnées et qu'elles ont été développées. C'est parce que il y a 200 ans, 300 ans, la mécanisation, c'était la force animale, la tractation animale. Et donc, quand vous avez une charrue avec des terres lourdes, argileuses, Et il faut des quand grosses vous avez bêtes, un Charolais qui fait 1 tonne, bien ben, il sûr. arrive à creuser et à tirer le sillon. Si vous mettez une vache Angus de 400 kilos, elle n'arrivera pas à tirer Ah l'attelage. non. Et donc, ces races de Charolais, de Limousin, de Blonde d'Aquitaine, elles sont venues parce que l'agriculture était de cette manière-là. C'est la conséquence, si vous voulez. C'est pas la Oui, elles cause étaient première. nécessaires, elles correspondaient à un besoin. Et pour que les gens puissent manger cette viande-là, il a cuisiné pendant 12 heures. Elle était bouillie parce qu'il y avait beaucoup de collagène. C'est une viande dure. Du Limousin, de la Charolaise, il y a du tissu conjonctif dans la génétique qui fait que la viande, elle est fibreuse, il faut la mâcher, elle est dure au couteau. Et les Anglais, eux, ils avaient des prairies, ils n'avaient que des prairies, ils mettaient des petites vaches d'Angus qui étaient très persillées, très grasses. Et en fait, c'est l'histoire agricole de ces régions qui a donné ces bêtes-là. Et aujourd'hui, ils font le maximum, ils font tout pour essayer de les vendre, donc ils font des concours, ils leur mettent des médailles. Il y a des journalistes qui sont un peu naïfs qui disent, ah, ben, formidable, regardez cette charolaise-là, elle fait 1 tonne 2. Et Ouais, on dit, c'est des ben monstres. oui, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que vous avez goûté la viande, elle est bonne? Ah ben non. Et quand vous prenez une carcasse sur ces races-là, vous la suspendez, la carcasse, vous mettez un seau d'eau, et puis le lendemain, vous revenez, puis le seau d'eau, il est rempli. En fait, c'est une viande qui est gonflée, Bien qui pisse sûr, l'eau. bien sûr. Et malheureusement, les gens ne se rendent pas compte que c'est un piège. Et qu'il faut revenir en arrière en disant non, mais qui a le temps de cuisiner pendant 12 heures un bourguignon ou un pot-au-feu? Aujourd'hui, alors il y avait le confinement, on était à la maison, mais c'est plus adapté au marché. Et malheureusement, et moi je comprends qu'il y a une histoire, qu'il y a un attachement, que c'est des belles vaches, mais à vendre, c'est très compliqué. Et moi, ça m'inquiète beaucoup quand McDonald's, ils mettent des steaks de charolais. Quand vous avez des affiches, vous rentrez dans un McDonald's, c'est marqué que c'est des steaks hachés de la viande de charolais. Et si les steaks de charolais, c'est que c'est la moins chère et c'est qu'ils ont acheté un truc pas cher. Et si c'est pas cher, c'est difficile que ce soit de la qualité. Donc, malheureusement, ces éleveurs-là, ils n'ont pas de chance parce que ils sont avec un handicap à la base qui est très important et ils travaillent énormément. Ils font un boulot de dingue et ils gagnent pas d'argent. Donc, c'est là où ça cloche.
Eh bien, bon, on va se quitter sur ces mots puisqu'il est 20h. Je vous remercie infiniment parce que c'était super intéressant. D'ailleurs, il y a eu des commentaires qui disaient que vous étiez passionnant. Je vais vous laisser avec vos petites vaches, vos petits veaux et vos petits bœufs. Je vous remercie infiniment. Je dis bonne fin de dimanche à tout le monde. On se retrouve le 4 juillet pour un autre numéro. Et puis, je suis ravie que ça marche pour vous. Et puis, oui. Embrassez-les tous. Voilà. Oui. Merci et bonne fin de journée. Au revoir, Alban. Merci. Au revoir à tous.